Je suis l'oncle de la victime, je suis le grand frère de Samma. Nous sommes dans la désolation. Nous avons appris le décès, je dirais l'assassinat de notre enfant. Ce que nous souhaitons est que l'autorité fasse le travail pour que nous soyons situés. Nous voulons savoir de quoi notre fils est mort. Et nous n'attendons que l'autorisation du procureur pour la levée de cause. En ce moment, nous saurons à qui nous adresser. Mais pour le moment, nous voulons savoir de quoi est mort notre fils. Nous sommes à suivre. Soma, anka dabo kwa, ambani dabo na anka amani ngangu mfaidi bobi kwa kunda kwa sila bara ni volo, kwa sila bara kawati mbele, kundi wakubwa kwa anye bara la leta, ne wara ne bora kwa na kungu yari akwa, ne bora kungu yaro, nara anka atrasi ni ya, aidi yirvise la, akwapo na kundi kwa akwapo onze ribata, kwa rata yara sila bara. Ne wara na kukuya dia akato yang ha do musoba na tibilla akadomunike ne nara ne konko ade nko ikoro barabo ko kwa barabo kwa moto ta ka akamoto ta abora wara kwa donka kwa oto donka bara dia awa asine fitri wati brase mara kono rofi mara na numero kili atetene mara kili atetene mara kono rofi ntete bona ntete duma mara kesi ya ufato, mtoa orodha ni numo msomo na yake kaki. Kwa inumo wake duhi dafu, ili seme la numuru la nala. Kwa inyongo numo wake, kwa inyongo mungeli, ufosite, kwa makole tu inumo wake la, inyongo la numuru tumulo, inyongo numuru abela numo wake abela numuru ita na telefoni kwa na telefoni sio yenu. Dongo abende inkele bora, boka ni kabla bora soma di, kwa amana falan kwa inyongo orodha ni wale dite, mara ni sisi nzima la. Oka kwa kwa leo diko mara na kwa telefoni basi. Yeye wala fitri bala basi zala. Ana amosoto kibuli kama. Aliona la watu mene kuruda bara fakwa. Kono moote suse kado. Nen ana kena. E ne kongwa yena la suru ngo mungeni. Ofosite. E mko mene kena mpa ita fanya. Awani asule na neta. Malo fenten keni. Afani ya mama afanya lo. La mort de Mukhtar, c'est samedi passé. Et récemment, avant-hier, il était avec un cousin tout près à côté ici. On regardait le match, après il a informé ce dernier, soi-disant qu'il a fini son clinique à la maison ici. Donc il travaille ici de façon parallèle aussi, il fait des activités, il fait certaines activités. Et récemment, là, il a travaillé dans une enquête à Boki où il faisait le recensement des champs agricoles et des zones d'habitation. Donc c'est l'argent qu'il a amassé, qu'il a collecté dans cette enquête qu'il a fini le boulot ici dans la famille et son clinique. Donc en quelque sorte, c'est ça. Bon, hier... vers 11h-12h, mon frère m'a rendu visite. Bon, il m'a informé qu'il a été appelé par l'une de ses camarades, bon, qu'il a demandé d'aller l'aider à travailler dans une clinique à Amdalaï. Donc, après la prière de 14h, mon frère m'a quitté, il est parti là-bas. Donc, à ma grande surprise, vers 20h, j'ai été appelé par un inconnu qui m'a informé la mort de mon frère. Donc, c'est à ce moment, j'ai consulté mon téléphone. Effectivement, j'ai vu son corps sur le site Sabari. Donc, effectivement, on a directement contacté maintenant la famille et appelé la famille pour faire ce que nous pouvons faire hier nuit. Donc, nous sommes jusqu'à ce niveau-là. Le corps est à la clinique, donc on ne sait pas d'abord. Il a été tué suite de quoi, si c'est l'accident ou bien si c'est bastonnade ou si c'est par balle. Donc nous sommes d'abord confiés. Mukhtar était quelqu'un vraiment qu'on ne peut pas finir de qualifier, parce que c'était quelqu'un généreux qui aimait la famille, c'était un rassembleur en un mot.
un médecin qui a aimé aussi son travail. Donc, même hier, il partait encore pour ça. Parce qu'il a été appelé par l'une de ses camarades d'aller travailler dans une clinique à Amdalaï. Donc, c'est vraiment, l'émotion est grande. Et cette mort constitue une perte énorme pour la famille. Dites-nous vraiment jusqu'où, quelles sont vos attentions, quelles sont vos attentes de l'État? Donc, vraiment, ça c'est une grande perte dans la famille, surtout dans la communauté. Vraiment, 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 nous demandons à l'État de faire la justice, de faire la lumière quand même, c'est-à-dire de sécuriser la population. Parce que les gens tuent comme ça, on dirait un poussin, sans justice, vraiment ça fait mal. C'est quelqu'un qui a quitté à la maison sain et sauf, il n'avait même pas mot de tête. Quand tu apprends sa mort, vraiment ça fait mal. Donc vraiment nous demandons à l'État de se comprendre avec la population afin de mettre fin de ces manifestations.